La chanson Retrouver mon rêve est pour moi à la fois l'expression d'un désir, retrouver mon rêve, et la réalisation de ce rêve. Puisque la façon dont cette chanson m'est venue, sous forme d'une inspiration fulgurante, m'a vraiment remis en lien avec à la fois un passé, l'époque où les choses se passaient de cette façon-là pour moi, et justement cette source magique d'inspiration qui ne m'avait plus touché de cette façon-là, aussi puissante, depuis 20 ans, je sais pas, 15 ou 20 ans. Et donc, c'est pour moi, cette chanson, c'est un renouement. C'est un renouement avec quelque chose de très profond. Et à ce propos, je tiens à dire que cet enfant dont il est question dans le texte, ce « comme quand j'étais gosse », « comme quand j'étais môme », voilà, bah, ça fait effectivement référence à mon passé. Et en même temps, non. Cet enfant qui est décrit comme audacieux, en phase avec son élan de vie. J'étais pas un enfant comme ça. Pas tout le temps. Donc, ce qui est important pour moi de vous dire par rapport à ce texte, c'est que quand j'emploie cette expression comme quand j'étais môme, comme quand j'étais gosse, je fais pas référence exactement à une réalité du passé, mais à une réalité présente, en fait. Ce gosse, ce môme, c'est comme mon âme, mon essence, en fait, que je décris comme un gosse. Parce que la façon dont je le perçois, c'est une entité qui est à l'intérieur de moi, comme un souvenir, de quelqu'un qui a une grande capacité d'émerveillement, qui a une grande foi, la foi de tous les possibles, comme je le dis dans le texte, qui a confiance et qui a énormément de joie, qui se réjouit à l'avance de tout ce que la vie va lui faire vivre, tout ce que lui-même va élaborer. Et en fait, je suis infiniment heureux d'avoir écrit cette chanson. C'est la première fois que, en fait, une de mes chansons me nourrit directement. C'est beaucoup plus qu'un... Comme toutes les autres chansons que j'ai écrites, c'est... qui étaient des élans d'expression, bien évidemment, comme chacun s'en doute. Même si vous n'avez jamais écrit de chanson, vous pouvez facilement concevoir que quelqu'un qui écrit une chanson, c'est quelqu'un qui a quelque chose à exprimer, qui a quelque chose à donner. Et là, en fait, j'ai l'impression que vraiment, j'ai ressenti, je le ressens encore quand je la chante, quand je la joue, cette chanson me remet en phase avec moi-même. Elle a sur moi l'effet de ce que le texte... ce que le texte décrit comme étant ma recherche, le regret. Donc dans les couplets, c'est formulé sous forme d'un regret, dans les refrains, c'est formulé sous forme de quelque chose qui se réalise, et c'est ça qui se passe pour moi. Et plus je chante cette chanson, plus elle me change à l'intérieur, elle me guérit, Elle remet les choses en place comme un envoûtement, je sais pas, ou un désenvoûtement plus exactement. Voilà, cette chanson me désenvoûte. Et je suis d'autant plus heureux de la partager, d'une part parce que quand je la partage, je me fais du bien. Ah, je suis loin de toutes les peurs que je pouvais avoir autrefois, que quand je publie une chanson, quelque chose... Les gens vont pas aimer, ça va être mal vu. Bref, toutes les réticences que je pouvais avoir. Là, je suis loin de ça, je suis dans... Oh, je suis dans... Je laisse couler le truc. C'est pour moi que je le fais en un.
Et puis, en deux, j'ai vraiment grand espoir et presque même confiance que d'autres personnes pourront profiter aussi de cet effet désenvoûtant. En tout cas, je vous le souhaite. Et voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire sur ma chanson « Retrouver mon rêve ». Merci de votre attention. Au revoir.